bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Nous venons avec un pile information pour vous. Dans le cas d'émission, si là, mais nous connaissons tout, c'est l'heure du débat. D'entrée de jeu, Fon dit que il y a un inspecteur divisionnaire qui a enlevé matin un pernier. Côté, il était sous volant machine, machine ça qui est pour PNH immatriculé 1-00984. N'ayez pas tiré ensemble avec l'inspecteur là, toute machine. Eh bien, Fon dit que dernière information qui arrive jeune non, c'est que inspecteur ça qui est Théodore, eh bien, il est censé jeune libération li. Et mais n'ayez pas prendre amenant parce que yo retrouvé inspecteur là dans zone La Tremblay. C'est là monsieur Ote alagué inspecteur là. Bref, donc grand pile l'autre dossier pour nous. Fon dit bien que gagné yon vidéo qui très virale sur les réseaux sociaux. Et vidéo ça me pense que ça donne froid dans le dos parce que on va poser tête aux questions pour dire mes amis gardez deux grimes méchanceté tineg dans pays d'Haïti. Un homme a été kidnappé, non loin de la Croix des Bouquets. Yo joint ni boulé avec toute machine yo te kidnappé là. Bagay sa bay tête chargé et me pense que c'est une vidéo qui suscitait émoi, émotion parce que on regarde pour petit type là, yo kidnappé, yo boulé là toute machine là et ti sache ou nan men moun yo sur réseaux sociaux là. Eh bien, c'est la tire score calcinéa. C'est là yo prendre, c'est ça yo pral enterrer. Bagay la grave mes amis, bagay la grave. On regarde pour un monde qui a filmé ya. Larmes aux yeux. Li obligé. C'est pas qu'elle parce que c'est un proche. Et ça qui pidi dans la vie, c'est l'orgon moun ou qui mouri. Par exemple, moun nan mouri neye ou pas jwenn koa. Yo touye l, yo boule l, ou pas ka jwenn koa. L'on pral enterre yon cadavre. Yon moun ki mouri. Bon, ok, moun nan mouri. Ou ap sonje l vraiment. Mais écoutez, le ou moun ou mouri, ou pas ka jwenn koa pour enterre. Double peine. Là ou doublement attristé. Eh bien, c'est ça qui a été jeune jeudi. Ça veut dire, nous plonger totalement dans la violence. Cannibal la li vin incarné dans l'esprit en pile nèg qui nan bandi. Vous imaginez la dernière vidéo qu'on avait vue sur les réseaux sociaux. Vidéo côté qu'il y a praché on nèg. Et des gens ben, disent, nous pouvons le manger. Prends foi. Monsieur gen graisse. Monsieur gras. Oui. Donc c'est dur, mes amis. Regardez dans qui sa pays d'Haïti tombé. Diaspora a regardé, yo envie d'entrer dans le pays, hein? Yo pas capable, bagala difficile. La vidéo ça dure 30 secondes, mais écoutez, mon petit j'en peur pour me la gueule parce que même les pas gen cadavre vraiment vrai, mais écoutez, ben on va tenter. Regardez ça. On a passé la vidéo avant nous pour montrer nous que yo grillé bandi. Matin, t'es en situation tension dans zone APN. En pile balle t'a tiré. En pile monde posait des questions pour demander ça qu'a passé comme ça. Eh bien, balle a tiré jusqu'à présent, personne monde pas connait qui ça t'est passé là. Gagné plusieurs machines yo tiré sous yo. Gon machine qui t'a porté l'huile, m'kwè t'a clan pèsé, en pile l'huile gaye à terre. Gagné une machine tout m'kwè t'a porté gaz, yo tiré sous lui. Mais gon l'autre camion soit gardé à travers photos qui disponible sur réseaux sociaux yo, eh bien camion ça lui même li courir là la l'entrée en côté, li craser côté a parce que tout le monde t'a couru à gauche à droite. Yo par contre qui ça pour te faire zone nan vraiment vraiment chaud. Tête chargée. Pendant que Diab a un problème, une série de côté, Fon dit bien que, gagne un coup, je pense que la marine t'est parée pour yo. Gagne, d'après information qui a circulé, c'est que gagne un groupe de bandits, qui ont même pris la mer, pour capable distribuer des armes et munitions dans un bloc graissier. Qu'est-ce qui s'est passé? La marine au courant. Elle a été interpellée par cette question. Et puis, pendant que yo sous la mer, eh bien, information fait quoi yo ou zé neg yo ak katouche. En pile balle, gen neg qui prend balle qui mouille sous la mer, gen neg pendant y a privé, met pied ou à terre.
yo filé balle derrière yo genek jusqu'à présent qui yo même filé koyo en barrage dans zone nan. Mais problème c'est que nèg yo pas konn zone nan bien. Magistrat a parlé, il voyait un voice depuis hier soir parce que m'te gen doute pour qu'on est-ce que c'est magistrat ou pas, mais dossier a li vin confirmé. Et bien c'est ça qui fait ma partager voice là ensemble avec nous. Collègue magistrat mio, frère mio, sœur mio de partout d'Haïti, comment nous y est? Nous là n'a goumé ses frères nous magistrat Guito Metelus. Et bien comme nous connaît zone montée en zone de tension, tension toujours là, mais je dis hein, et moi féliciter police nationale là, spécialement marine haïtienne qui font gros travail. Côté que gon quantité bandi qui prend chaloupe qui traverse la mer à la poêle débarquer garçon avec zam dans zone moyen pour te renforcer bataille parce que nous étant tu en pile dans nèg yo. Et bien mon cher, et marine haïtienne mette chaloupe li dehors là plus équipe nous te gain sur le terrain qui était censé attendre nèg yo à terre. Mon cher, pas gain dans nèg yo sorti vivant yo sablé nèg yo sous l'emmen sablé nèg yo à terre. C'était une véritable belle opération avec population. Et c'est ça le fait, ouais. Les populations, je pense que le dossier, ça va passer dans la zone moyenne, en Grissier, Mariani en particulier, sont modèles pour la population. Depuis la population levée, campée, avec les policiers qui sont dans la zone, l'autorité qui sont dans la zone, mélangé avec la police, nous avons empêché les vagabonds de prendre contrôle de la zone. Et je pense que ça, c'est un modèle qui est lié, un modèle de coopération. La police, population hein, qui prend destin en main. Donc, je dis, c'était une véritable belle opération qui fait par un bandit sorti vivant. Ça, c'est une très bonne nouvelle et me féliciter encore une fois et autorité locale yo, et autorité la police. Eh bien, ok, collègue, ok, mais ferme, pas molle. À partir de demain, on peut retourner avec dossier politique yo, parce que donc, on est ici, là, dans le pays d'Haïti, il y a un pile dossier. Mais il faut nous dire que mercredi, cap 9 mars 2022, eh bien, journaliste, yo pral pran la rue. Journaliste, média en ligne, yo pral pran la rue pour capable dénoncer comportement agressif policier yo et mandé pour que lumière capable faite sous assassinat, non ta capable dit. Journaliste Lazare Maxilien lui-même qui mourit dans la dernière manifestation. Ouvrier secteur sous-traitant, si vous avez fait, je ne pas songer date là. Mais de toute manière, nous songer quantité de violence qui a gagné dans la manifestation. Si là. N'a quitté avec Robert Dimanche, qui est même CEO de N'importe Voix, association journaliste médias en ligne. Et puis après, n'a venir avec deux reportages pour vous sous question politique, insécurité, tout ça. Jour qui était 23 février, hein? Il y a trois journalistes, on dit jusqu'à quatre, qui sont victimes dans le cadre de manifestation que ouvriers eux-mêmes ont fait. Côté de Alvarez Dessiné qui prend plusieurs coups de roche dans la tête et jusqu'à présent, sans tel beaucoup fin en forme. Il y a Yves Moïse Dissé qui prend balle dans le pied jusqu'à présent lui-même, il est beaucoup fin en forme. Il y a tout Sonny Loor qui prend balle. Mais ce qui est plus grave là, c'est que c'est dans le moment où nous, tous les journalistes, nous sommes couchés à terre plate. Nous avons levé nous, nous avons frère nous, Maximin Lazare qui est couché à terre. Nous pensons que c'est un monde qui est évanoui, mais malheureusement, nous gardons nous, c'est mourir, mourir. Eh bien, dans l'optique ça, au niveau de ces mails, nous paraît indifférent. Nous disons, jour 9 mars, cap venu là, mercredi 9 mars, nous prenons décision pour nous organiser une marche pacifique. Pour nous dire non avec brutalité policière, pour nous dire non avec la question insécurité généralisée qui a touché tout le monde dans la société. Quel que soit la couche où il y a dans la société, la question insécurité a licencié lui-même, fait impact sur qui tout est journaliste, ou tu es avocat, ou tu es médecin, infirmière, ou tu es professeur, eh bien, la question insécurité a concerné nous tous. Mais, juste ça, nous avons commencé la marche là sur place Constitution à partir de 9h. Pour nous capables de monter sur l'avenue John Brown, la rue, pour nous tomber dans l'avenue Matérité Kine, pour nous descendre dans le Carrefour Résistance, là pour nous capables de rencontrer un ensemble de monde déjà qui a fait solidarité avec les journalistes. Quel que soit le monde dans la société, ils sont obligés de camper avec les journalistes parce que nous-mêmes, nous toujours baillons tête dans nos locaux pour nous chercher information pour eux. Eh bien, nous-mêmes,
en tant que monde qui conscient dans ce secteur là, nous-mêmes en tant que jeunes dans cap vivre dans société conscient de réalité là, nous dit n'a camper et nous pour aller sur route aéroport dans espace côté était assassiné Maximilien Lazalan, là nous pour immortaliser jeune garçon ça 22 ans. Eh bien nous obligé parce que lui-même il était prend il était bail tête en holocauste pour dire l'a servi pays. Il va chercher information pour porter pour population, mais malheureusement, c'est avec gros coup de zame que nèg en dans police nationale là, yo voyer l'aller et que nous-mêmes, nous pas prêter indifférent, n'a nous pral déposer gerbe de fleurs et n'a mettre tout, n'a gravé portrait Maximilien Lazare dans espace côté tout.